Avec ça, je vais à peine arriver à payer les honoraires de mes avocats. Votre temps de visite est fini. Non, non, non. S'il vous plaît, laissez-moi encore un peu avec lui. Ricardo, qu'est-ce que nous devons payer? Oh, mon Dieu. Ah, mon amour. Calme-toi. Calme-toi. Vous allez voir que tout va bien se passer. S'il vous plaît, votre temps de visite est terminé. Attendez, je ne permettrai pas qu'ils te mettent en prison, papa. Je te le jure, je vais tout faire pour te sortir. Tu me l'entends? Tout ce qu'il faut. Maman. C'est nous. Salut. Grand-mère, on est de retour, salut. Grand-mère. Comment s'est passé votre visite? Très bien, grand-mère. Nous avons été au moulin, nous avons vu les champs de café de Santa Cruz. La prochaine fois, nous ferons un tour complet. Ce que j'ai vu aujourd'hui m'a tout bonnement captivé. Visiter la Hacienda, c'est comme visiter la Champagne en France, dans un de ces châteaux qui produit cet or liquide. Madame, vous avez une Hacienda magnifique. J'ai demandé à ce qu'on prépare une orangeade. Mais ce serait bien que vous récupériez vos affaires parce que nous partons à l'aéroport. Venez. Accompagnez-moi pour aller chercher mes affaires qu'on a laissées dans une chambre du château. Au revoir, grand-mère. Je réponds. Non, laisse-moi faire, s'il te plaît. Voilà. Allô? Allô, Diana, c'est Bérénice. Si Diego est dans le coin, ne va pas lui dire que tu es en train de parler avec moi. Non, non, il n'est pas là. Vous m'excusez? Oui, bien sûr. Oui, ma petite fille. Vous pouvez venir ici pour les rafraîchissements. Mais d'où est-ce que tu m'appelles? D'ici, de l'appartement. Je suis retournée hier. Aussi vite? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Je m'ennuyais un peu, je commençais à déprimer et j'ai décidé de revenir. J'ai essayé de t'appeler chez ta grand-mère, mais on m'a dit que vous étiez tous à la Hacienda. Rien de grave? Non, non, rien de sérieux. Grand-mère a décidé de venir calmer ton ex-mari. Il va mal? Ah, imagine. Il passe son temps à boire. Et il a demandé après moi? Il t'a dit quelque chose? Je te mentirais si je te disais que oui. En réalité, je n'ai même pas pu parler avec lui. Il est sûrement en train d'espérer récupérer sa saisonnière. Non, 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 plus du tout. Écoute, grand-mère est la seule qui a pu lui parler. Ils sont restés enfermés un bon moment et... D'après ce qu'elle m'a dit, Diego ne veut plus rien savoir de Paloma. Tu es sérieuse? Je te jure. Alors grand-mère lui a demandé pourquoi il ne retournait pas avec toi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ah, tu sais comment il est. Il a dit que c'était de sa faute si tu avais souffert autant, qu'il ne voulait plus te faire souffrir, qu'il ne voulait plus te faire du mal. Pourquoi autant de questions, Bérénice? Tu es en train de penser de revenir avec lui? Non. C'était par simple curiosité. Et en plus, je suis persuadée qu'il n'y a plus aucune possibilité. Bon, eh bien, j'espère que tu m'appelleras quand tu rentreras, ou si tu veux, tu peux venir me voir. Ah oui, parce qu'en plus, j'ai beaucoup de choses à te dire. Devine un peu qui m'a accompagnée à la Hacienda. Qui? Miguel. Très bien. Bon, eh bien, alors j'attends que tu m'appelles. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a? Je te l'ai dit, maman. Diego ne veut plus du tout revenir avec moi. Il est bien décidé à se débarrasser de moi. Mon Dieu, c'est que... C'est le seul qui peut nous sortir. Mais tu ne te rends pas compte? Je ne peux pas parler avec lui, je ne peux pas lui demander d'aider mon père. Il ne veut plus jamais rien savoir de moi. Qui était-ce? Bérénice. Elle m'a appelée pour savoir comment ça allait et visiblement pour avoir des nouvelles de Diego. Tu sais, elle m'a donné l'impression qu'elle songeait à la possibilité de retourner avec lui. Tu es sûre? Tu crois qu'elle est enfin disposée à tout lui pardonner? Je crois que oui. Alors, Elena Olivares, vous n'avez travaillé qu'à la Cafetalero?
Oui, figurez-vous que j'ai commencé là-bas. Ça a été mon école. La Café Talero est une des entreprises d'exportation les plus grandes du pays. Regardez. Si vous observez bien mes différents postes, vous pouvez vous rendre compte de l'expérience que j'ai acquise en exportation. Mmh. En plus, je parle espagnol, anglais, j'ai des notions d'allemand. D'ailleurs, c'est écrit là. Je ne vais pas vous dire que j'ai de l'expérience dans le textile, mmh. mais j'apprends très vite, monsieur, je vous jure. Vous pouvez me donner une période d'essai ? Non, non, ce n'est pas nécessaire. La Café Talero est une très bonne référence. Mmh. Vous ne m'avez pas noté le numéro de téléphone de votre ancien patron. C'est nécessaire ? Nous devons vérifier vos informations et dans votre cas, c'est votre seule référence. Mademoiselle Olivares, nous devons vérifier vos dires et dans votre cas, c'est votre seule référence. Mademoiselle Olivares. J'ai eu deux patrons, monsieur Fabien Sanchez Zambrano et son cousin Diego Sanchez Zambrano. Écrivez-les, s'il vous plaît, et leur numéro de téléphone. Vous allez les appeler ? Bien sûr. Il faut que l'un d'entre eux me confirme que vous avez travaillé dans leur entreprise et que vous êtes compétente dans ce domaine, celui des exportations. Écoutez, ce sont les procédures habituelles. Ce qu'il y a, c'est que des fois, les gens mettent de fausses informations sur leur CV. Et ça nous crée ensuite des problèmes. Oui, je comprends. Très bien, alors, écoutez, je n'ai pas démissionné de la Café Talero. Je me suis fait renvoyer et je ne pense pas que ce soit un bon point pour moi, n'est-ce pas ? Écoutez, je sais bien que nous pouvons tous avoir des problèmes au travail. Et à moins que vous ayez été renvoyé pour faute grave, vol, par exemple, ça ne posera pas de problème pour nous. Attendez, on va me rejeter la faute ? Je veux dire, ceux qui sont le plus proches du bureau sont cette femme et son garde du corps. Plusieurs personnes vous ont vu entrer dans le bureau de Monsieur Sanchez alors que les secrétaires étaient partis déjeuner. Comment ? Vous êtes en train de penser que c'est non, moi non, qui... Non, 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 non. Évidemment, nous devons vérifier. Mais si nous ne retrouvons pas la coupe, nous allons devoir appliquer le règlement. Mais monsieur, mais pourquoi vous me présentez comme la seule suspecte ? Ou un quelconque problème légal ? Ne vous approchez plus jamais de cette entreprise. Ou de toute entreprise en rapport avec le café. Partez le plus loin possible que vous pourrez. Parce que si je vous retrouve, je ferai en sorte qu'on vous arrête. Et qu'on vous enferme en prison. Ou que vous soyez une personne malhonnête ou cherchant les conflits. Écoutez, je sais que ce n'est pas le cas. Mais bon, nous devons savoir comment vous étiez dans l'entreprise. Oui, mais bon... J'ai noté ici le nom de personnes qui peuvent vous parler de moi. Regardez par exemple, le président du conseil mexicain du café et des personnes qui travaillent aussi là-bas. Oui, 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 aussi nous allons les appeler, mais d'abord je dois parler avec vos patrons. Allez, donnez-moi le téléphone de Monsieur Diego Sanchez Zambrano. Je ne peux pas. Je ne comprends pas, mademoiselle. Vous savez que les recommandations de votre poste précédent sont fondamentales pour acquérir un nouvel emploi. Oui, oui, je le sais, mais je n'y avais pas pensé. Merci.